Les 7 compétences que vous devez absolument développer si vous voulez vous lancer en business. La communication, j'en ai déjà parlé. Sachez communiquer. En business, si tu veux faire de l'argent, tu ne dois pas être timide. Quand on a faim, on n'est pas timide. Quand on a l'argent, on peut se dire, bon, ça va, ce soir, ce matin, j'ai bu le café, j'ai bu le lait, bon, ça va, tranquille. Mais quand on a faim, on doit parler, on doit faire du bruit, on doit se faire connaître. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Un jour, ma mère me dit, mon fils, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. J'ai dit, ma terre, quand j'ai faim, quand je cherche mon jet, je peux être timide, comment? Donc, sortez des sentiers battus, allez vers les gens, faites vous connaître, faites parler de vous, faites qu'on parle de votre produit. C'est comme ça. Deuxième compétence, la vente. Et quand il parle de vente, je vais vous laisser le volet vente. Tout le monde sait qu'il faut vendre. Je vais laisser ce côté-là. Je vais vous parler de quelque chose dont on parle très peu. C'est savoir vendre votre vision. Vous ne pouvez rien accomplir de grand si vous êtes seul. Mais pour que les gens puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent être avec vous, pour qu'ils puissent vous suivre, il faut que vous sachiez vendre ce que vous avez. Il faut que vous sachiez leur vendre l'invisible. Parce que quelqu'un, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend l'invisible, non? Aujourd'hui, je vous dis qu'on veut être la première plateforme mondiale d'éducation financière. Est-ce que vous voyez ça? Mais maintenant, si elle veut que l'un d'entre vous travaille avec nous, il faut qu'elle sache comment lui vendre le truc, non? On dit souvent que les gens qui sont en business sont des vendeurs de rêves. Mieux on vend le rêve plutôt que vendre le cauchemar. Si elle vous dit que vous vendez le rêve, dites que oui, je vends le rêve. Et je suis fier. Et malheureusement, chez nous en Afrique, on ne rêve plus. Quand on rêvait, on disait non, tu rêves trop. Moi, ma mère, quand elle disait qu'elle venait au Gabon pour une conférence, elle me dit arrête de rêver. J'ai dit laisse-moi rêver. Mais en tout cas, je suis ici aujourd'hui. Yes. Donc, il faut savoir vendre. Et l'une des manières les plus pertinentes pour vendre une vision, c'est par ce que vous faites, mais c'est aussi en utilisant une technique dans l'art oratoire qu'on appelle le storytelling. Je ne vous en dis pas plus par rapport au storytelling. Vous allez faire vous-même vos propres recherches. Mais si un jour, vous voulez quelqu'un qui va vous former, celui qui m'a moi-même formé, contactez-moi. Je vous dirai comment faire pour entrer en contact avec ce gars. Il est très fort. Ou bien il est sur Facebook, Josué Schneider Tafeu. Vous pourrez le retrouver sur Facebook. Il est excellent. C'est un jeune, hein? C'est un jeune. Voilà. La négociation, le leadership. Leader, c'est quoi? Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui connaît la route et qui réussit à faire en sorte que les autres puissent lui seul suivre. Alors que le manager, c'est celui qui exécute. On lui dit fais, dirige les gens, il le fait. Mais le leader, c'est autre chose. Donc vous devez absolument développer votre leadership. Et pour être un bon leader, il faut faire. Il y a, comment il s'appelle, Arthur Youmou. C'est un étudiant qui m'a contacté. Il vient en Belgique. Il me dit, Valère, au début, quand je te voyais faire, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Après un jour, je me dis, mais ce qu'il fait est pertinent, hein? Après, il a commencé à acheter des livres, il proposait. Après, un autre jour, il m'appelle, il me dit, allez, je veux qu'on travaille ensemble. Il dit, hein? Il dit, ok. Après, il lui dit, bon, je sens que tu es un gars qui peut être intéressant, qu'on peut travailler ensemble. C'est d'ailleurs son livre qui est là, tout en bas là, Votre corps de rêve dans la vraie vie. Et il lui dit, gars, bon, maintenant, comment on travaille ensemble et que c'est intéressant de travailler avec toi? Comment on fait pour qu'on te paye? Comment on fait? Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne veux pas, je ne veux rien. Il dit, comment te dire qu'on va te donner de l'argent? Tu dis que tu ne veux rien, mais il dit non. Pour le moment, je ne veux rien. Je veux que l'argent aille très loin. Quand on sera loin, là, on va commencer à parler d'argent. Et quand il dit ça, il ne fait pas que dire. Il bosse. À chaque fois que je dis, bon, tu vois ça comment? Il est impliqué. Mais ça n'a été possible que parce que j'ai développé mon leadership. Ça n'a été possible parce que moi, j'aime d'abord faire du chemin. Donc, quand il lui dit, fais ça, il dit, moi, je fais, non. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, le leader ne dit pas fait, il fait d'abord. Et après, les autres vont le suivre. La négociation, on passe toute notre vie à négocier. Hier encore, avant de me coucher, j'ai négocié avec une prospect. Il me dit que bon, je veux que tu édites mon livre et tout. Et je vous rassure, il y a des techniques de négociation dont vous ne pouvez même pas imaginer la puissance. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit, le peuple meurt faute de connaissance. On n'a pas dit faute de diplôme. Faute de connaissance. Donc, cherchez la connaissance, elle vous affranchira. Et l'un des moyens les plus simples, ce sont les livres. Plus de 80% de ce que je sais aujourd'hui, j'ai lu. C'est vrai qu'on dit souvent que, ouais, nos ancêtres n'ont pas lu, ouais. Ils n'ont pas lu. Moi, je lis et j'ai les résultats. Donc, moi, ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas trop d'argent pour payer une formation, lisez. Il y a les clés. Moi, je connais même des gens qui vont faire une formation, c'est un livre qu'ils ont lu. Les gens payent 50 000 pour l'écouter. Je connais, je ne vais pas les citer son nom. Mais le même livre, j'ai lu, il est venu parler, j'ai dit, mais le type, si, c'est pas ce que j'ai lu dans le livre là. Intégralement le livre. Lisez. Celui qui ne lit pas va payer les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu.
L'humilité, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez déjà dit, vraiment soyez humble, apprenez. Aliko Dangote a dit, un homme avec grande tâche cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres. J'ai discuté avec Françoise Pouéné, multimilliardaire. J'ai discuté avec Claudel, de toute façon, je discute avec Claudel tous les jours. J'ai discuté avec Ricardo Kanyama, Simon Ouedraogo, quand même. Ce sont des gens qui. Voilà. Je peux mourir. Bon, je ne peux pas encore mourir. Il faut quand même aussi que quelqu'un dise que j'ai discuté avec Valère. Comment? Ce sont des personnes humbles. Quand vous les voyez là, vous avez l'impression que. Non, mais quand je discute avec eux, très simple. Je discute avec eux, ma copine me dit, mais c'est eux comme ça? Je dis oui. Moi, je dis. Très simple. S'ils ne connaissent pas, ils vous demandent, on fait ça comment? Vous savez, la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. Parce que plus tu connais, plus tu te rends compte que tu ne connais pas et tu te tais. Donc, n'hésitez pas, apprenez. Pensez réseau. Le réseau, vraiment, c'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est pour ça que vous ne pouvez rien accomplir seul. C'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est là-bas que vous avez les vraies opportunités. Vous savez déjà qu'il y a des business, des secteurs où même si vous êtes compétent, vous ne pouvez pas gagner des marchés parce que vous n'êtes pas dans le réseau. Vous ne pouvez pas. Après la compétence, il y a ça. Le réseau, le cercle d'influence. Donc, bâtissez votre cercle d'influence. Et pour bâtir votre cercle d'influence, il faut déjà se rapprocher des personnes du réseau. Il faut montrer ce que vous allez apporter. Parce que je me suis rendu compte que les gens sont chiches comme pas possible. Quand vous adressez à quelqu'un et que vous êtes dans... Je veux, j'ai besoin, je. Mais c'est égoïste. Vous dites je. En business, c'est donnant. Tu deviens d'où je. L'autre dit, mais moi, et quoi gagner dans ton jeu? Non, si moi, je dois vous demander quelque chose, je dis, je vais vous apporter ça, ça, vous pouvez gagner ça, ça. Et maintenant, c'est même vous qui allez dire, mais le type, s'il dit qu'il veut gagner tout ça, lui, on y gagne quoi dans ça? Et là, vous reprenez le contrôle. 3 minutes? Ok, j'ai presque fini. Innover, ça, c'est l'un des meilleurs conseils que m'a donné Claudel Loubissi. Vous allez vous dire vraiment, ayez des mentors. Parce qu'ils vont vous donner un conseil, pas beaucoup. Vous allez même souvent suivre toute une formation. Mais il y a une seule information qui va faire la différence. Donc, soit je contacte, je lui dis, gars, en ce moment, mon business, je sens que ça rame un peu. Il me dit, c'est parce que c'est un peu monotone. C'est pour ça qu'il faut chanter, chaque fois chercher à innover quelque chose de nouveau. Vous voyez, iPhone sort le nouveau téléphone tous les jours, pourquoi? Parce qu'un business a un cycle de vie. Après un moment, il s'éteint. Et puis même, lorsque vous sortez peut-être un produit, il y a une masse que vous allez saisir. Après, à un moment donné, une fois que la masse là, vous avez satisfait, il se passe quoi? Vous arrêtez. Bon, à part si vous vendez la nourriture, là, ça va encore. Il y a encore. Même la nourriture, il faut la faire changer parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue trop à une saveur et puis bon, on dit, ah, c'est bon, tout les mêmes choses. C'est pour ça qu'il faut varier. C'est pour ça qu'en business, il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse.